Au cours de cet atelier, le débat est mené autour du projet de révision de la Constitution. Honorables députés et représentants de partis politiques partagent leur point de vue sur la question. Une initiative de l'Association des parlementaires européens en partenariat avec l'Afrique et l'Institut néerlandais pour la démocratie multipartite. Chaque article modifié ou ajouté ou supprimé est présenté et les partis politiques émettent leur avis sur la proposition qui est faite. Elles peuvent trouver qu'il faut l'enlever carrément ou bien la modifier. Et ceci se fait en présence des députés qui apportent également leur connaissance de la question. L'objectif qui est en train d'être atteint d'ici est même au-delà de nos attentes. Parce que le NIMD dit quoi? Le NIMD dit, c'est vrai, les partis politiques ont leurs intérêts qui peuvent diverger. Mais lorsqu'il s'agit d'intérêt national, ils doivent pouvoir dialoguer en leur sein et retenir des résolutions où chacun d'eux se retrouve à l'intérieur. À ce rendez-vous de dialogue inter-parti, les échanges se déroulent sous le regard effectif d'un panel d'experts juristes et constitutionnalistes. Non, l'idée n'est pas de retenir quelque chose, parce que ce n'est pas nous qui décidons ici. L'idée, c'est de voir quels sont les avantages ou les inconvénients. Nous, on opine en disant, si vous allez au mandat unique, voici les obstacles, voici les avantages, voici les inconvénients. Il ne nous appartient pas de décider à la place des parlementaires. Les conclusions de cette rencontre de 48 heures vont certainement aider les élus du peuple au cours de l'examen de ce projet de révision de la Constitution.